Regarde-moi ces blocs et ces roues. On va encore jouer au hamster. Ils ont l'air d'être tous connectés. On va bien voir. Allez, on va faire rouer tout ça. Oh!
Faire un dessin si tu veux. Attention!
Attention! Doucement. Doucement. T'as deux mains gauches ou quoi? Allez, attrape! On y est arrivé. Allez, on lance pierre. C'est promis. Merci pour votre aide. Merci beaucoup. Allez, au château. J'avais oublié, j'ai jamais fini de... Directement au château, hein? Ouais, comme je l'avais prévu. Tu vois? Le château. Hé, l'éléphante! T'as vu? Elle est là-haut. Ouais, le portail doit pas être loin. Allez! Je vais te sortir de là.
Non, c'est pas possible. Waouh, t'as aussi construit une voie ferrée? Ouais, c'est un train panoramique. Ouais, ok, c'est logique. Bon, cette fois-ci, je vise. Oh non, 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 non. Vraiment pas de chance. N'importe quoi, ça suffit. Oh, essaye de pas te refaire coller. Mon oiseau est meilleur que le tien. Le mien est plus mignon. Bravo, petit oiseau. Oui, oui. Bingo. Et voilà. Je commence à comprendre cette musique. Allez. Ça, l'oiseau. Ouais. On y est presque, l'oiseau. Pas de soucis. Bien joué, camarade ailé. Mon oiseau est plus mignon. Un peu d'ambiance.
baptisé ce train le Mayflower. Pas mal. J'aime les trains. C'est super de voir son travail prendre vie. Ouh, le portail est bloqué. On doit pouvoir entrer. Tu vois cette grande grue là? Elle serait sûrement utile pour le portail. Ça doit être le portail du château là-bas. Super marrant! Hé, Cody! T'es d'attaque pour un petit bowling? T'es folle! Mais j'aime ça! Attendez, on veut pas de problème, nous. Ouais, voilà, on vient juste voir l'éléphante. Comment osez-vous insulter Cutie 3, reine du château magique, alias sa majesté? Oui, nous voulions dire à sa majesté. Vous pouvez nous emmener jusqu'à elle? C'est un peu urgent. La reine n'accorde point d'audience au manant. Au manant? Eh hey, oh, du calme. Qui tu traites de manant, mon pote? Écoute, j'ai construit ce château. C'est même moi qui l'ai appelé château magique. Donc sans moi, vous seriez même pas... C'est bon, là, calme-toi! Excusez mon acolyte, madame. Acolyte? Acolyte, oui. Nous sommes les émissaires d'une très lointaine contrée. Nous apportons une importante missive pour sa majesté. Donnez-la-moi! Oh, nous devons voir sa majesté en personne. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est tuer la reine. Non! Dites-vous la vérité? Bien sûr! Je ne mens jamais, je suis le docteur Hakim, livre de la vérité. Oh. Au service de sa majesté, Cutie 3, l'éléphante, reine du château magique. Mais vous pouvez pas arrêter de faire de la lèche? L'écoutez pas, il est complètement ma boule, il vous ment. Ah oui? Alors pourquoi ne montrez-vous pas la lettre pour sa majesté, hein? C'est ce que je compte faire. Bon, le truc avec la lettre, c'est que... c'est compliqué. Ah, exactement! Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lettre. Un point, c'est tout. Oh! Arrêtez-les! Maman... Hé, hey, May, ça va? Je pète la forme, tu vois bien. Oh. Punaise, Cody! Mais pourquoi t'as construit des oubliettes? Simplement parce que tous les châteaux ont des oubliettes. Désolé. C'est pas moi qui décide. Hé, hey, y a quelqu'un? Hé hey, oh! Hé hey, oh! Bon, heureusement pour nous... Tu n'es pas l'ingénieur de la famille. Qu'est-ce que tu fais? J'ai construit ça. Oui, je vois ça. Il n'y a même pas de canalisation. Et alors? C'est une maquette.
Les jouets vont pas aux toilettes. Il y a quoi l'ingénieur de famille, et blablabla. Oh, j'aurais dû éviter les haricots. Allez, dépêche! Je peux pas. Bon, t'as construit ce château. Alors on va où? Juste là, à droite. T'es garde! Par ici, vite! Allez! De glace, mais j'ai des super pouvoirs magiques! Et je maîtrise le feu! Waouh! Je te l'avais dit! C'est un château magique! Cody, en garde! Ouais!
suis pas le seul à utiliser la magie. Il ne peut y avoir qu'un seul magicien à la cour. On reste ici. À toi, May. Donne tout ce que t'as.
dirait une poupée qui fait de la cuisine. Failli passer. Oh non, j'avais oublié le troll immortel. Quoi, tu sais, l'horrible géant qui bouffe les prisonniers. On lui fait rien comme ça. Pep, on reste ici. Thank you.
jamais. Et qu'on revoie pas ta sale tronche par ici. Ouais, exactement. Hé, hey, viens, mais par là, vite, on y va. C'est bon, la porte à éléphant, allez. Attends une minute. C'est mon vieil échiquier. Quoi, t'as pris mon jeu d'échecs pour faire ton pauvre château? Ouais, et alors, tu l'utilises jamais? Mais parce que j'ai pas le temps. Eh bien, c'est pas un jouet. Il était à ma grand-mère. Oui, et je suis sûre que ça lui ferait vraiment plaisir de voir qu'on s'en sert. Oh non, quoi encore? Oh, oh, le jeu d'échecs est vivant. Allez, les pions, on danse! Ah!
Bon, maintenant, l'éléphante. Quoi? Pourquoi la porte n'a pas de poignée? Tu devrais le savoir, tu l'as fabriquée. Ah ouais, c'est vrai. Oh, ouais, je me souviens. Ah ah, boum. Et voilà, tu vois, je sais ce que je fais. Oh, non. Super. Eh ben voilà, fini les pouvoirs magiques. Comment on va tuer l'éléphante? Je sais pas. Une minute. Oui, j'avais oublié. J'ai pris les couleurs et je les ai toutes inversées pour tromper les intrus. Quoi? Ça a marché, non? C'est plutôt malin quand on y pense. Ouais, super malin. On vient juste de se faire griller. Tu vois? N'empêche, mon costume me manque déjà. Oh mon Dieu. Bonjour, votre majesté. Bonjour. Non, pas de révérence. Je suis Cutie l'éléphante, la meilleure amie de Rose. Vous voulez des cookies? Oh, j'adore les cookies. Cutie, on n'est pas venu là pour se goinfrer. Allez, on s'y met. Vous avez l'air contrarié. Dites-moi ce qui ne va pas. C'est à ça que servent les amis. Non, non, tout va bien. Ça va, tout va vraiment très bien. Mais je vois bien que tu as des soucis. En fait, tu as besoin d'un câlin. Ouais, un peu. Oh. Cody, qu'est-ce que tu fais? Il faut la tuer. Me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer? Oh, non, 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 on veut pas te tuer. C'est juste qu'on est obligé un tout petit peu. Mais enfin, je suis Cutie, la gentille éléphante. J'aime Rose. Et Rose m'aime aussi. Je ne veux pas mourir. Je sais. Mais on n'a pas le choix. Je suis désolée. Non, non. Ça va pas être beau à voir. Ça se trompe énormément. Cutie, on n'a vraiment pas le choix, on le fait à contre-cœur. On cherche à faire pleurer Rose. Ça n'a rien de personnel, on doit juste briser le sortilège.
faut la tirer jusqu'au bord de l'étagère. Mais c'est super loin. Allez, attrape-la. Aïe. Un endroit sûr et tranquille. Les vrais amis, c'est censé s'entraider. Mais des monstres, je me déteste, c'est horrible. Oh, moi aussi. Je vais devoir me trouver un psy. Oh, pareil. On pourrait en parler avec le livre. De quoi? Pour qu'on consulte un vrai professionnel. Stop, raconte les bobards. Tire-mais. Oh, c'était pas des bobards. Je vais te réparer. Oh non. Oh non, Cutie. Pauvre Cutie. Oh, je suis désolée. Je suis désolée que tu sois blessée. Non. Mais je crois que ça marche. Oh. Oui. Oui, elle pleure. Ouais. Génial. Génial. Vas-y. Bon, il faut qu'on descende. Vite. Et avant qu'elle s'arrête, allez, par ici. Allez, on y va. Oh, c'est bon. Continue comme ça, ma puce. Voilà, t'arrêtes pas, ma puce. Vas-y, ne te retiens pas. Oh, qu'elles sont douces, ces larmes. C'est ça. Allez. Attends. Enfin, qu'est-ce qui... Pourquoi le sort se dissipe pas? Je sais pas, les larmes devaient être l'antidote. Qu'est-ce que... Oh non. Oh. Oh bon sang. On est coincés comme ça. Non. Oh mon Dieu. Non. Non, mais c'est pas possible. Les larmes devaient être... Quoi? C'est quoi, ça? Hey, mais laisse-moi tranquille, c'est fini. Je crois que c'est une lettre de Rose, écoute ça. Maman et papa chéri, je suis désolé de vous avoir fait ça. Quoi? Je sais comment tout arranger. Vous devez juste arrêter de... Je crois que c'est ça, c'est la réponse. Continue, comment on brise la sort? Vous devez juste arrêter de... Wow. Pas si vite. Hé, hey, rendez-nous ça. C'est notre lettre. Vous n'êtes pas prêts pour la lire. Pour avoir la lettre, vous devez travailler ensemble. Vous devez réparer votre relation. Non, mais quelle abruti. Oh, merci beaucoup. Vous venez de déchirer notre seul moyen de sortir d'ici. C'est exact. En 4 morceaux. Vous les recollez ensemble et vous aurez la réponse. Espèce de bouquin débile. Allez. Plongez plus profondément dans votre esprit et récupérez les 4 morceaux. C'est parti. Hey, vous allez où? Attrape-le. Attrape la lettre.